voisins, si jamais vous tombez sur ma vidéo, venez dans ma supérette. J'ai de quoi vous dépanner. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo que vous m'avez trop demandé. En fait j'étais en mode je vais faire mes restocks etc sur mon compte TikTok. Sauf que vous avez été super nombreuses à me dire pourquoi tu le fais pas sur YouTube. Au moins tu le fais en une partie, au moins on voit bien, ça nous satisfait trop et tout. Et donc je me suis dit ok let's go, aujourd'hui on va faire the restock mes amours. Si vous vous souvenez bien, je vous mets une image maintenant. J'avais fait dans ma cave un mini magasin et vous aviez kiffé. Et c'est vrai que ça m'évite d'aller tout le temps en course. Comme ça la dernière fois que j'ai restocké cette cave on a tenu 9 mois mes amours. Et donc là c'est le moment où on va le re-restocker. Donc étape 1, déjà je vais vous montrer comment elle a été vidée. Il n'y a quasiment plus rien dedans. Étape 2, on va aller au magasin et ce qui dit restock dit que je peux prendre tout ce que je veux sans limite. Et étape 3, on va ranger tout ça en mode magasin, que tout soit aligné. Comme quand tu vas à la supérette, tu vois quand il te manque un truc tu vas à la supérette. Et bon on va faire ça. La cave avant c'était ça. Tout ici c'est vide. Là j'avais bien les stocks sur TikTok mais il y a encore des endroits largement vides. Mais bon c'était beaucoup plus rempli avant. Au niveau des boissons, pareil, on a plein de cubes vides. Et ça, c'est uniquement ce que j'ai acheté la semaine dernière. Sinon, il n'y avait plus rien. Ici, c'est complètement vide. Il n'y a plus de bonbons, comme vous pouvez le voir. Ici, il nous reste encore quelques petits bonbons. Et ici, c'est vide aussi. Là, c'est des sacs que je dois remplir. Et voilà, mes amours. Du coup, on se retrouve tout de suite au magasin pour prendre tout ce que je veux. Et ensuite, on se retrouve dans mon mini... Je vais l'appeler comment? Trouvez-moi un nom, mes amours, pour la supérette. Je sais pas si je l'appelle Loufit Shop. C'est stylé mes amours, Loufit Shop. Dites-moi si vous kiffez ou sinon donnez-moi d'autres noms. Let's go, on part pour restock. Non mes amours, je reviens. J'ai oublié. J'ai oublié déjà, j'ai changé mes cheveux. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et en plus, j'ai oublié de vous dire de liker, de commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. Ça c'est la base et tout de suite, let's go. Et en plus je vais essayer de vous satisfaire, ça veut dire que je vais essayer de bien ranger dans mon caddie. On va prendre tout ce qui est chocolat et bonbons. Ensuite on va faire chips, boissons, bref, on va voir parce que je sais plus de tête. Déjà rien à voir mes amours, mais vu que ça va être Pâques, après on va préparer un panier de Pâques pour les Lou et Sohan et on les posera sur leur lit, du coup je vais prendre aussi des chocolats comme ça. Bon mes amours, là on est bien pour Lilo et Swan. Par contre, j'ai vu, ils ont refait ça. Et ça, je vais grave prendre pour le restock de la cave. Plein. Même ça coûte la peau du derche mes amours. Mes amours, on en est là. Vous voyez, j'essaye de bien ranger. On est loin d'avoir fini. Le caddie va être rempli jusqu'ici. Et ensuite, on a un deuxième caddie pour tout ce qui est boisson, etc. Donc, let's go, j'accélère un peu. On adore les chips, on adore, ça se voit. Et mettez un like parce que vu l'inflation, je vous jure, j'essaye de pas regarder les prix. Je suis comme ça quand je prends des trucs. Pour ça, vous voyez, je prends comme ça. Parce que si je regarde les prix, je vais rien acheter. Mes amours, je reviens, mais avouez, on dirait pas les psychopathes dans Confession Intime. Et je vous jure, on dirait les psychopathes. Je vais vous mettre un hashtag, hashtag Confession Intime. Ceux qui vont me dire dans les commentaires, ils vont rien comprendre, ils vont croire que je me fais insulter. Mais s'il vous plaît, dans cette vidéo, ça sera ce hashtag parce que c'est hilarant. Je vous jure, mais moi, je me rends compte. Mais bon, j'ai toujours peur de plus rien avoir chez moi. J'ai tellement rien eu quand j'étais petite que maintenant je suis obligée de me faire une cape pour être rassurée. Bon mes amours, c'est enfin la fin. J'ai trop chaud, je suis à bout. Je crois que j'ai jamais fait un restock aussi gros. On a les deux caddies qui sont remplis. Celui-là de boissons et celui-là de gâteaux, bonbons, bref, saucissons, etc. Mes amours, ça a pris au moins une heure en caisse. Sans mentir, au moins 30 minutes. Non, non, c'est trop. Attendez. Le petit qui est plus gros que toi.
ma parole, le tiki, tes plis, c'est ma taille. Allez, on y va. Allez, vas-y, cours. Donne-moi. Donne-moi. Mes amours. Donne-moi ça. Donne à ta maman. Donne-moi. Il est où? Mes amours, je suis sûre qu'il est en train de déchiqueter le paquet de trucs. Tiens pour toi. C'est pour Chenille alors. Tu le veux, maman? Tiens. Voilà, mes amours, j'ai réussi à le choper. Il a fait un trou dedans. Il est plein de bave. Alors, toi, maintenant, je vais devoir le manger. À cause de toi, je vais grossir. Là, vraiment, je pense que c'est réellement le plus gros restock de ma vie que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des choses qui périment. Justement, tout ce qu'on prend, c'est que des denrées qui sont pas périssables. En train d'avoir des bouffées de chaleur tellement je me dis c'est impossible que je vais réussir à ranger tout ça quand même dans une épicerie, genre aujourd'hui, genre, mais j'ai pas le choix. Faut que la vidéo sorte. Attendez, je vais vous faire un plan de mon téléphone pour vous montrer. Il y a des courses jusque là. Voilà. Toutes les sacs de courses. On se rend pas compte. Regardez ma main. Regardez, ça prend toute la cave. Je pense que je vais ranger d'abord les boissons. Après, on va faire une ambiance néon, parce que là, je trouve ça fait encore trop effet cave alimentaire. Mais après, on va mettre des néons bleus et tout, comme ça, à faire vraiment comme dans une supérette. Tu vois, quand t'as la dalle et que tu vas à la supérette du coin qui coûte une blinde, là, et ben, du coup, on va faire comme ça. Commençons par le commencement, qui est un énorme sac, comme ça, des Kinder et encore des Kinder. On va commencer par le petit pot de Kinder. Ça, c'est encore plein. Ça, c'est poubelle. Ça, les petites pizzas de la soirée pyjama qui s'en souvient, c'est encore là. Ça va là à côté, mais ça va pas rester là, je pense. Et le pot à sucette, il va aller dans l'étagère de Bobo. Mais ça, après. Vraiment, je veux vraiment que ce soit comme quand on va au magasin, genre qu'on choisit et tout. Même quand je fais des soirées pyjama et tout, comme ça, j'aime trop. Mes amours, on va ranger les boissons gazeuse type Dr Pepper, Coca, etc. Le Fanta. Pareil, tous les goûts, comme ça au moins on est sûr qu'on a ce qu'on veut. Chouette ça brume. Fanta mystère, d'ailleurs si vous avez déjà goûté mes amours, dites-moi à quoi c'est en français. Et un Coca. On va mettre un petit bac transparent ici, rempli de canettes. On va faire cerise et vanille. Et je vous rassure, mes amours, comme d'hab, parce que je préfère vous rassurer parce que c'est vraiment pas bon. Je sais que là, il y a des enfants qui me regardent et je sais, puisque j'ai toujours ce style de commentaire. Ils disent oui, mais maman, Lilo Swan, ils ont grave de chance. Luffy Clave, elle fait tout pour ses enfants et tout. Mais sachez que j'achète tout ça, c'est pour être tranquille pendant un long moment. Parce que moi, je déteste aller au magasin. Et surtout, c'est pas pour faire ma fille, what the fuck, genre, elle est connue. Mais je vous jure que quand je sors, à chaque fois, je croise énormément de monde. Du coup, ça prend deux fois plus de temps, même si j'adore vous voir. Mais du coup, les courses, ça prend grave de temps. Et vu que je filme presque tous les jours, ou alors, genre, je disais son, ou alors, en tout cas, je fais tout le temps quelque chose pour le taf. Et bah, du coup, j'ai vraiment pas le champ de temps. Et par contre, quand ma mère, elle vient garder Lilo et Swan, parce que moi, j'ai des projets et tout, et ben j'ai pas le temps d'aller faire des courses. Du coup, moi je sais qu'ils ont tout et que j'ai plus qu'à rien pour le frigo. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de mettre tout ça, mais vraiment ça dure des lustres et par jour. Par exemple, Louis et Soane, ils ont le droit qu'à une canette de soda en mangeant, pas plus. Sinon, on a de l'eau tout le temps en haut, et même là d'ailleurs que je vais ranger. Mais
Pareil, tout ce qui est chocolat et tout, c'est un goûter par jour ou un goûter le matin. Les chips, c'est uniquement quand on regarde un film à la télé. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait des plombes et ils ont pas le droit à tout ça. Je préfère vous dire, vos parents sont parfaits, ils savent ce qu'ils font, ok? Mais avant, je viens de voir un truc, je suis morte de rire. C'est une blague. Mes amours, genre, il y avait ça qui est mis comme ça, ok? Donc jusque là, tu te dis, ouais, tout est normal. Il y a ça qui est posé dans le rayon bonbon. Et je dis le rayon bonbon, il y a quoi? Et je me dis, là quand je me suis penchée pour prendre le coca, je vois du rose, je me dis c'est quoi ça? Et je vois, il y a un verre au milieu, je sais pas si vous voyez. En fait, Lilou et Swan, ils ont vidé le pot de carambar, ils ont mis du scotch et un verre au milieu, mon père, je le vois, je suis morte. Il y a littéralement un verre pour remplir l'espace. Non, ça y est, je quitte ce monde. Je quitte ce monde. C'est une blague. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amours. Ils ont scotché les carambars. Ils les ont scotchés et ils les ont mis comme ça le tour du pot avec un verre au milieu pour pas que je vois qu'ils ont tout grillé. Et en plus, j'avais trouvé dans le snap, vous vous souvenez, je vous avais partagé sur TikTok. Je parle beaucoup, désolé, mes amours, mais je vous avais partagé sur TikTok un snap où Lilou elle s'était filmée pour envoyer à ses potes en disant ouais, il est 4h du matin, j'allais manger des chips et tout, c'était hilarant. Et je l'avais partagé sur TikTok à un moment donné. Et là, je dis ouais, j'espère que vous descendez pas manger des bonbons et tout. Ils disent non, non, non et tout. Puis là, je vois qu'il y a toujours les bonbons. Il y a 4 pots de bonbons, je vois, ils sont pleins. C'est super lourd. Je crois que je vais passer 24h dans la cave. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo 24h dans ma cave. J'aurais de quoi faire, je pense. Par contre, il y a des araignées peut-être. Saucisson, mes amours, je pouvais pas continuer. Mais regardez, j'ai tout bien rangé les candies, il y a plein de goûts ici. Oui, j'ai la bouche pleine, je sais. Regardez, j'ai trouvé tous les goûts de sirop carambar, c'est trop bien. Là-bas, j'ai une caisse. Tout à l'heure, j'ai grave envie de jouer à la caissière. Je vous jure, je vais jouer à la caissière tellement. Je vais ramener toute ma famille dans le cave et me faire des commandes. Et là, là encore. Je crois que je vais accélérer au max sur les boissons. Ensuite, je vous montrerai ce que ça donne. Et ensuite, on va passer aux chips et tout. Puis après, de toute façon, je vous ferai un room tour global de la supérette. Mais là, je vais jamais m'en sortir, mes amours. On est plutôt pas mal. Regardez comme c'est bien rangé. Les Capri Sun, la base. Les Capri Sun, ma vie. Et voilà, mes amours. C'est plein. Je sais même pas où je vais mettre. Oh. Non. J'ai rien mangé. Qu'est-ce que tu fais? On est marre. J'ai chaud, j'ai mal au pied, j'ai mal partout. Pourquoi tu m'as pas appelé? Il y en a trop. Vas-y, je vais le faire. J'ai bien avancé, mais franchement, il y en a vraiment trop. Je termine les dernières boissons et après on passe aux choses sérieuses qui... Le chocolat. Les amours, ce qui est bien là, c'est qu'on a... Il reste que les bouteilles d'eau et le lait. Donc vas-y, je vais le ranger après. Je vais demander à mon chéri, parce que là vraiment, vraiment, je suis en train de saturer. Je vais commencer à devenir folle. Je vais ranger les chips. Je vais ranger les Pringles. Et j'ai pris la cargaison de Pringles parce que Lilo, ça ne mange que ça. Donc vous étonnez pas, on a sel, vinaigre. Faites vos commandes, mes amours, dans les commentaires. Et je vous ferai des commandes sur TikTok. Crème, oignon, piquant. Crème, oignon. Ça, c'est le même qu'on met là derrière. Ça, c'est pas des Pringles, mais c'est les oignons. Toujours vinaigre. Des bonbons. Attendez. Il y a encore plein d'autres paquets. Hein. On va faire comme ça. Comme ça, je peux rester sur le sol. On va restocker les petits paquets de bonbons. Là. Est-ce que...
Et voilà. La dinguerie de plus pour t'assommer. Là, c'est paprika, mais c'est pas les mêmes, donc ça ne va pas me satisfaire si les rends ensemble. Oh là 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 là. T'es sûr, t'as pas envie de mourir, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mes amours, j'ai pris un infractus. Ça m'a fait trop mal. Mes amours, on va faire un panier de saucissons. Et voilà le panier de saucissons. Franchement, j'ai pensé à tout. J'ai pensé profondément à Lilou pour ce panier. J'ai tout rangé, mais c'est vraiment trop bien rangé, je vais pas tout vous spoiler. Alors mes amours, c'est parti dans la supérette de Loufit. Je sais, je la partage avec Jean, mais là je vous ai dit, j'ai envie de l'appeler Loufit Shop. Loufit Shop, qu'est-ce qu'on a? Déjà ici, cacahuètes, pistaches, cacahuètes de sucre enrobé, les pop-corn, tout ce qui est pain, les sauces, le vraiment ça, le bac préféré de Lilou. Le bac à saucisson, le bac à sauciflard. Dites-moi si vous kiffez le saucisson à la sauciflard. Le rayon pâte à tartiner, notre chocolata, etc. Le petit déj. Ouais, rayon petit déj. J'ai fait un petit rayon petit déj. Là, c'est les gâteaux. Les bonbons. Ah oh non, c'est celui-là aussi. Rayon bonbons. Et ici, des petits trucs naturels et rayon chips en vrac. Encore des chips, encore des gâteaux, des trucs comme ça et blabla, t'as compris. Mes amours, du coup, ici, c'est mon espace préféré. Je crois que ça va être votre espace préféré aussi. Viens, viens, viens. C'est espace bonbon, camembert, chocolat, Kinder, Twix. Alors, chocolat, surtout beaucoup de Kinder. Ça, c'est la passion de Swan et Lilou, les Kinder Joy et Joy. Les Kinder Joy et les œufs Kinder, ils aiment trop. Et vu comment quand j'étais petite, mon beau-père me piquait toutes mes surprises, maintenant je me rattrape, j'en achète beaucoup. Je t'achèterai une petite surprise pour te faire plaisir. Véridique, par contre, c'est la vérité, mes amours. Ne laissez jamais vos parents vous voler votre surprise. Ils sont fous ou quoi? Là, c'est tout ce qui est espace cinéma, genre quand on a envie de regarder un film, des petits bonbons, le bac de sucettes. Ici c'est des petites cacahuètes, des petites pistaches et tout pour l'apéro. Alors qu'on fait jamais d'apéro, on n'invite personne. Des paquets de BN et ici en bas on a les chips. Les chips, encore des chips. Encore beaucoup de chips. Encore des chips. Encore des chips. Des pop-corn, ça ils étaient déjà ici. Là c'est l'espace petits bonbons. Et là, c'est les compotes de pommes et les compotes de chocolat, vanille, etc. pour le matin. Voici l'espace boisson sucrée pour les gens qui critiquent. Que du sucre, que du sucre, que de la malbouffe. Elle nourrit pas bien ses enfants. Et c'est bon, on mange comme on veut, d'accord? Je veux dire, au bout d'un moment, je pense qu'à mon âge, j'ai pas besoin qu'on me donne des conseils sur quoi donner. Comme je vous ai dit, vraiment, je dose. Ils ont une canette en mangeant, s'il te plaît. Il y a un Twix le matin, faut se calmer. Hein. L'Ice Tea, tout l'espace coca, toutes les différentes sortes de coca. Encore du coca, zéro, sans sucre. Pas de sucrerie. Et là, il y a toute l'Ice Tea, cranberry, Dr Pepper, tous les différents Schweppes, tous les différents Fanta. Ça, c'est pour l'espace déjeuner pour le matin. C'est du chocolat, des fraises, du chocolat et de la vanille. Ici, c'est toutes les boissons énergétiques. Ça, c'est pareil, c'est pas bon pour la santé. On le sait.
Mais moi, j'aime trop ça, donc j'essaye de me limiter quand même. Ici, c'est tous les différents sirops carambars que j'ai montré, tous les sirops dessert et tout, tous les jus de fruits pour le matin, et ça, c'est les sirops pour mon café, vanille, caramel et tout. Et là, c'est d'autres canettes. Bon, ça, on va pas vous montrer parce que je vais être démonétisée, mais en tout cas, c'est si jamais on a un apéro à la maison, mais en vrai, on les ouvre jamais, ils sont là depuis la nuit des temps. Les Arizona et le Pulco, les petites bouteilles d'eau, de l'eau gazeuse aromatisée et voilà pour cet espace boisson, je crois que ça fait déjà beaucoup hein. Ici c'est le dernier espace mes amours, c'est l'espace qui n'est pas encore fini d'être rempli parce que en fait quand ils ouvrent les paquets de bonbons je vous ai montré tout à l'heure, après dès qu'ils sont ouverts je les mets dans les pots, mais là puisqu'ils sont pas ouverts je vais pas les ouvrir, c'est totalement ridicule. Donc voilà, mais après ce sera les bonbons qui seront dedans. Là c'est l'espace pour faire les paniers de Pâques de Lilo Swan, donc je les ai cachés ici. Ici c'est l'espace sauce tomate. Là c'est des petites cacahuètes. Bon là c'est les bonbons, les malabar, les têtes brûlées et tout. Tous les capricornes pour le matin. Et ça aussi c'est les pains au chocolat pour le matin. Le petit sucre. C'est Daddy, Daddy Fit Love. T'as vu? Ensuite ici, c'est pareil pour le petit déjeuner, c'est tous les petits bâtonnets au chocolat, le sucre, la farine et le restock des pâtes et des céréales. Et là, à côté, c'est pareil, c'est des pâtes comme ça en pot, on a la flemme. Encore des bonbons, des trucs pour l'apéro, toutes des barres de céréales, des gaufres, encore des gâteaux. On a pris toutes les sortes de BN, c'est trop mignon. Et des trésors en snack pour soi le matin quand il a pas encore de déjeuner avec le lait et tout. Et là c'est les pots de chocolat. Et voilà mes amours pour le petit tour, grand tour. Vraiment on dirait mais ça m'a pris grave de temps pour faire ça toute la journée. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En attendant je vais éteindre parce que regardez j'ai mis un néon pourri. Parce que je me dis ouais Jean il a pas trop les moyens. Tu vois Jean il achète pour revendre plus cher. Mais vas-y, il n'y a pas trop les moyens de mettre vraiment du néon de qualité. On va éteindre, on va voir ce que ça donne. Et voilà mes amours, le petit effet sur... je meurs, je vous jure, c'est trop beau, j'aime bien. Bon, faites pas attention à ça, là, il y a la... à côté de la caisse, il y a des petits trucs. Mais c'est l'effet que je voulais dans ma petite supérette de Jean. Vous validez mes amours? Regardez. Comme ça, tu viens, comme ça, tining. Tu fais une petite commande. Et attendez, je vais faire une commande. Donc, là, je vais mettre... mes prix. Les malabar c'est 56 €. Arrête de rire aussi. On arrête de rire. Mais non mais c'est parce que je réfléchis. Pourquoi il y a cette machine ici? On dirait elle s'est fait super et tout ça pour jouer à la machine. Chut, faut pas le dire. Alors plus. Attends pourquoi il fait pas tut 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 tut. Ah voilà. T'as vu? Les petits burgers 52 et les Capri Sun 89. Tenez. Merci madame. Voilà, vous comprendrez vraiment mes amours que je joue réellement à la supérette avec Lilou des fois. Après j'avoue si quelqu'un vient et qu'il voit ça là et tout, il va dire hé. Elle a une supérette cachée chez elle. Elle vend, elle fraude. Elle a réellement une cave et tout. En plus, il n'y a personne qui restocke autant. Une supérette secrète, quoi. Surtout qu'on n'est que 4, tu vois. Une supérette secrète. Elle a une supérette et elle vend des trucs à ses voisins. Les voisins, si jamais vous tombez sur ma vidéo, venez dans ma supérette. J'ai de quoi vous dépanner. Mes abonnés savent que c'est la machine à Jacqueline. Dites-le, mes amours, en commentaire. Oui, mais attends. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez hashtag Jacqueline. Non mais c'est surtout que c'est facile de dire ça à Jacqueline. C'était pour toi. Le nombre de choses que tu dis c'est pour Jacqueline. Et au final que c'est pour toi. Oui, j'avoue, j'avais la même quand j'étais petite. Alors voilà. Quand je l'ai vu à la c'est juste pour dire bon c'est pour, un enfant. Mais au final c'est toi l'enfant. Ouais. Tu joues plus aux petites figurines. Bon mes amours, j'espère que cette vidéo sur le restock de la supérette et sur toutes les sucreries que j'ai achetées ne fera pas trop parler. Mais bon dans tous les cas
vous savez que je m'en fous, moi je fais ce que j'aime. Si ça vous a plu, mettez un like, un commentaire, et la prochaine fois que je restockerai, ça sera pas tout de suite, mais et ben je vous le referai sur YouTube, parce que vous aviez été archi nombreux à me demander sur TikTok de le faire sur YouTube. En attendant, si jamais vous voulez voir les vidéos satisfaisantes, toujours en genre mode et ben venez me suivre sur TikTok. Vous mettez mon compte TikTok juste ici. Abonne-toi, like si c'est pas encore fait, et fais des gros bisous. Mouah. Je te vois, toi. Oh, on voit tous les défauts de mon œil.